J'aimerais bien retrouver le livre que j'avais reçu il y a déjà quelques semaines de cet auteur que j'aime bien. Peut-être dans la pile ici des ouvrages dont je devrais faire une chronique. En voilà, Pierre Poucheret. C'est l'auteur que j'ai déjà rencontré l'année dernière au boulevard du Polar. Il était avec notre ami Marc Zellweger. Et je l'ai vu aussi dernièrement à la foire du livre à Bruxelles. Et je dois dire que j'avais lu l'ouvrage qui m'a passionné, mais j'ai pas encore eu le temps de faire une chronique. On va vite s'y mettre. Hein. Allez. Tu sais, c'est Tuez-les tous, mais pas ici, de Pierre Poucheret. Si je me souviens bien, on parlait d'une certaine Julie Loubriac, 17 ans, qui avait disparu. Ben, la fille, ce n'était pas la première fois qu'elle se volatilisait, mais je pense que cette fois, ses parents, Martine et Louis, sont convaincus qu'il ne s'agit pas d'une simple fugue. Ben, ils sont des gars qui sont divorcés. Ils sont divorcés, ils décident sûrement de s'unir pour retrouver sa trace. Et ils vont entamer un périple de Quimper à Istanbul en passant par la Syrie. C'est incroyable comment le gars il peut avoir une imagination formidable pour pondre ça. Enfin, bon, je le recommande à pas mal de gens, hein, et je dois dire, ça plaît toujours, ça. Vous voyez, ça s'appelle Tuez-les tous, mais pas ici. Allez, je vais faire un petit papier là-dessus, je sais pas quand on va le publier, mais c'est toujours une question de temps et tout ça. Pierre Poucheret, le lauréat du prix Quai des Orfèvres en 2017 avec, souvenons-nous, Mortel Trafic chez Fayard. C'est un ancien commandant de police, il est spécialiste de la lutte contre la criminalité organisée. Il a été en poste en Turquie, en Afghanistan et en Cisjordanie. C'est un gars qui a beaucoup voyagé, ça. Hein, et il a publié notamment plusieurs polars chez Gigal, dont Filière afghane, Une terre pas si sainte. C'est mon copain Marcel. Je m'étais bien amusé dans cet ouvrage-ci, oui. Tuez-les tous, mais pas ici, Pierre Poucheret.